Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de mon défi musculation. Donc je suis désolé, j'ai pas publié ce dimanche, tout simplement parce que je vais vous avouer que j'ai pas fait beaucoup de séances la semaine dernière. Donc je trouvais ça un peu incohérent de faire un bilan alors que j'avais pas fait grand chose. Mais ne vous en faites pas, d'ici là, je me suis rattrapé, j'ai fait mes séances habituelles, hein, donc entre 3 et 4 par semaine. Et du coup là, aujourd'hui, je peux faire un bon bilan. Donc tout de suite, on va commencer par les photos, comme ça c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les photos de cette semaine. Donc voilà, je trouve qu'au niveau des photos, il n'y a pas beaucoup de différence, mais loin de moi de faire l'autosatisfaction, je trouve quand même que visuellement, dans la vie de tous les jours, quand je me regarde dans un miroir, ou même Arnaud il me le dit, bah, j'ai quand même changé, j'ai quand même beaucoup moins de gras qu'avant, enfin beaucoup, c'est un euphémisme, mais voilà, je suis quand même un peu plus sec qu'au tout début. Donc je suis quand même content, il y a quand même une petite évolution. Et d'ailleurs au niveau du poids, maintenant il s'affiche, je pèse 68 kg alors qu'il y a 2 semaines j'en pesais 67. Et comme vous pouvez le voir par rapport aux photos, bah, j'ai pas forcément pris de gras. Donc j'en déduis que j'ai un petit peu pris de muscle. Alors bien entendu ça peut être influencé aussi par le fait que j'ai plus mangé ou des choses comme ça, hein. Il y a plein de facteurs, mais je pense quand même que c'est lié. Donc je trouve que c'est une bonne évolution. Aussi, sinon, petit point d'actualité, j'ai vu qu'un TikToker, oui, je sais, il est aussi présent sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Hein, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, hein, je vous dis juste. Il habite à Strasbourg et il veut faire du coaching. Donc, du coup, je me suis dit, hop, pourquoi pas postuler. Quitte entraîne à rien, en plus, c'est gratuit. Donc, on verra bien. Surtout que il avait déjà fait certains coachings. Il y a eu quand même de ces bons résultats au bout de 3 mois. Donc, je me dis, si je suis choisi, bah, ça peut que être bénéfique, je pense. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce bilan, donc c'est une vidéo assez courte cette semaine, il n'y a pas forcément grand chose qui ont évolué. J'essayerai quand même de mettre plus souvent sur Instagram, il y en a qui m'ont demandé ce que je fais dans mes séances et tout ça, comme la dernière vidéo que j'ai faite. Je pourrais aussi vous dire exactement ce que je fais par séance, hein. J'y pense pas souvent, j'avoue, c'est pas dans ma tête direct de faire des vidéos sur Instagram ou des petites photos, mais je tenterai de le faire plus souvent, comme ça vous pourrez suivre allègrement mon évolution au cours de la semaine. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve pas mercredi pour la prochaine vidéo. À plus !